interview Globetrotter. Non, je n'ai pas compté parce que il y en a beaucoup. In the market, his music play all day. La famille, vraiment, ça maman. Mais surtout, la restauration. The route to reggae. Ce que j'ai préféré à Kingston, c'est d'abord, bon, à part l'enregistrement, le rythme, toutes les choses comme ça qui se sont passées au studio, j'ai beaucoup aimé les quartiers de vieux Kingston. Mon voyage le plus marquant, c'est l'Inde. J'étais à New Delhi avec Bruce Springsteen, Peter Gabriel, Sting, Tracy Chapman. Et on fait la tournée Amnesty International. On me demande, bon, comme d'habitude, d'ouvrir le concert où personne ne me connaissait. Et la première fois que j'ai chanté, j'ai reçu un feedback du public. J'avais des frissons et ils m'ont bien accueilli, vraiment. Et ce concert-là, je pense que ce jour-là, j'avais fait le meilleur concert. Ça, c'est une grande question. J'ai jamais de vacances. En quelle langue tu préfères chanter? En Wolof. Youssou N'Dour, président, never, jamais. Je pense que les Américains dansent très bien. Je pense aussi en Afrique, et particulièrement au Sénégal, la danse est quelque chose d'extraordinaire. Actuellement, je suis en train de préparer Bercy, le grand bal. Beaucoup d'Africains dans une image assez positive de fête. Qu'est-ce que je peux faire? La carte du Sénégal, comme ça, et la Gambie rentre dans le Sénégal. Merci.